Envie d'aller sur Rappel. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je suis en train d'enregistrer, donc bonjour à YouTube aussi. Donc, je suis en train de faire un live et en même temps, je suis en train de faire d'enregistrer le live pour mettre la rediffusion sur YouTube. Donc, la rediffusion complète. Donc, je vais toutes mettre mes rediffusions sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Blacon, pareil comme sur mon nom Twitch, Blacon, B majuscule LACONN, tiré du bas. Donc je le répète, BLACONN, tiré du bas. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est ma chaîne YouTube pour les lives. Je vais peut-être le changer pour mettre Blacon Live, Blacon Live Rediff, ou je sais pas trop. Donc premièrement, on va commencer par aller voir dans la boutique. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a peut-être des... Non, c'est pas très très intéressant. On va continuer. J'ai avancé tout seul. Donc je me suis rendu Vous cherchez un aux défi courses sympa de ou un moyen Road d'augmenter vos gains? Racing. Essayez les modes. Ah, merde, j'ai pas de mode de 7. Donc on va. Jour de paix. Avec top 3 ainsi que conditions idéales. Voilà. Donc là, on a plus 150% de gain. Donc là, on est là. J'en ai fait pas mal. On est à la deuxième course sur 4. On est aux pistes sud. On est à Virginia International Raceway. Avec une belle petite Ford Mustang. C'est bien cela, je pense. Ah, une Ford Mustang Mach-E. Elle est plutôt belle, moi je trouve. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Moi je la trouve très très belle. Donc on va commencer de suite. Oh, c'est un petit peu nuageux, non, mais c'est pas grave. Moi, c'est un beau bruit de moteur. Et ma caméra sur Forza, c'est pas la même que sur Dirt. Mais c'est parce que moi, j'aime mieux Dirt, c'est plus mon genre de course, c'est plus rallye. Mais là, ça va plus être vu comme ça. Peut-être que je vais m'habituer à jouer avec cette vue-là. Mais pour l'instant, on va garder cette vue-là. On va essayer de dépasser S-Toxic. Pas l'avant. Je pousse un petit peu. Pas trop grave. Je pense que ma vitesse de pointe avec ce char-là, je pense que j'ai déjà tapé les 200. Je pense pas que je puisse aller bien plus haut. On a Chacha qui est deuxième. Donc on a 4 tours à faire. J'étais au premier, je suis quatrième. Je suis maintenant passé au troisième. Derrière Chacha. Et c'est Westnergy le premier. Merci de passer le premier. Stand juste à gauche, mais je pense pas qu'on va aller prendre le stand parce que je pense que je vais pas manquer d'essence pour 4 tours de piste. Donc on rattrape petit à petit sur West Energy. Donc les gars, n'hésitez pas à... Si vous voulez faire de la promo pour ma chaîne, je dis pas non, parce que c'est toujours... Je suis toujours ouvert à avoir plus de viewers, de followers. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez des amis qui aiment les jeux de voiture ou les jeux de Battle Royale. N'hésitez pas à faire la promo.
Sinon, je peux rester dans mon petit coin et continuer à faire mes lives tout seul dans mon coin. Mais c'est pas si grave. Je fais ce que j'aime. Je parle, mais je suis pas occupé à dépenser. Donc, on va dépenser juste ici. Je me pousse un petit peu. On dépense, mais on va en profiter durant la nuit. Et voilà. Un petit peu corsé ce dépensement là. Donc mon meilleur tour c'est 1 minute 27. Donc aussi peut-être que des fois on va prendre des pauses de Forza et Dirt. Puis on va aller faire des petits lives sur Sea of Thieves ou on va faire des modes multijoueurs sur Forza. On va aller faire des courses de drag. Ou... Je vais trouver quelque chose. Je pense que j'ai pris un petit peu d'avance. Ouais, j'en ai pris un petit peu beaucoup même. J'avais pas vu ce virage là. Donc on est à notre dernier tour déjà, ça passe vite. Bon, je pense que ce soir on va faire une 30 minutes de Forza, 30 minutes de Dirt. Parce que je suis pas. Je suis pas chaud à faire des gros lives de genre 4 heures. Parce que tout seul, je suis pas motivé. Mais par contre, avec le crew de Mathis, Dale pis Ben, là, on va sortir des gros lives, mais... En ce moment, je suis pas chaud à en faire des gros. On va garder ça à 30 minutes. Puis demain, on va faire un live avec Chacha sur Apex. Sur Apex Legends. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je l'ai téléchargé hier. Parce que moi, juste pour vous sachiez, je suis rendu avec une Xbox dans ma chambre. Et je l'avais. Ça faisait au moins un an que j'avais pas joué à Apex. Un an. 2-3-4 mois. Ça fait 2-3-4 mois que j'ai pas joué, donc faut voir que je m'y refasse. Donc je pense que le temps qu'on finisse ce championnat-là de comment je... Premier avec 1 minute 23. Mon meilleur c'était quoi, 1 minute 27, je crois, avant? 1 minute 23. Ouais, 1 minute 23, les autres c'est 1 minute 28. Ah, d'accord. On va y voir le classement. Avec la Ford XB Falcon dans une minute. Donc on a une minute, après ça passe à 1 minute 14. 14, puis moi je suis 123 millième 533. Donc on voit tout que dans les 10 premiers, ils ont pas l'ABS, ni le TCS, puis ni le. Ils n'ont pas la boîte auto. Mais moi j'ai la boîte auto, le TCS, mais j'ai pas l'ABS par exemple. Donc on va passer à la prochaine course. La course suivante. Donc on a gagné
quand même. 23 000. 23 500. Plus 20 000. La Audi RS4. Voulez-vous acheter cette voiture et cette mission pour 14 000? En vrai, non, je suis pas chaud. Parfait. Donc ensuite, on a 40 000 crédits. Formula E. Ou pilote pro. Okay. Bon, enfin, la vous prochaine course, les gars. Vous améliorer en affrontant des adversaires plus. Okay. Donc on a 3 tours sur une longueur de 4,09 km. Puis on est... C'est la dernière course, les gars. Circuit Road Atlanta. Donc j'ai mis... J'ai mis des difficultés de drive à tort en... C'est ici que en habile, vous pouvez modifier le niveau des autres pilotes. C'est l'option idéale pour peaufiner vos talents de pilote. En gros, j'avais mis moyen. Donc, il était à plus 0% CR, des crédits. Sinon, on peut aller en inexpérimenté ou pilote débutant. Sinon, on peut aller en imbattable. C'est plus... On gagne plus 100% de nos crédits en plus. On va commencer par habile. Permet aux dramateurs adverses d'utiliser des tactiques agressives comme les blocages ou les accrochages latéraux. Microson. En vrai, ouais. On va mettre. Ils vont utiliser des tactiques agressives comme les blocages ou les accrochages latéraux. On va rajouter ça. Donc, les gars, vous êtes prêts? Je pense que je l'ai sur le cas. Bon bah, arrivé à Road Atlanta, piste fanat du circuit. Vous êtes prêts les gars? Les boys and girls. On est parti contre des drivateurs imbattables qui vont utiliser des tactiques agressives. Écoutez-moi, c'est un moteur G. Et c'est parti! On va essayer de dépasser par le centre. Regardez la belle ligne qu'on a. On accélère, on accélère, on accélère et on freine! Donc on a 3 tours pour finir premier. Et on est 10e. Un petit peu d'adresse. Hop, vous avez pas vu le virage. Ben, on a rien vu. Vous avez rien vu. Chut dans le chat. On a rien. Plus que Tony Skater. Ah, j'ai pas bien pris le virage. Dommage. Donc, on est à une minute de course. À une minute, c'est de 12e, je crois, à 2e. Je pense qu'un tour, ça doit être environ une minute et demie. Une minute et demie, une minute 45. Environ. Parce que là, on est... Belle ligne droite. Regardez, on va prendre, on va pogner les 200. Ah, pogner le 210 quand même. Donc après ce championnat-là, les gars, on va aller sur Dirt. Donc, pareil, on va faire 30 minutes. Je pense qu'on va commencer l'autre championnat de Forza. On est en train de le rattraper. Donc pareil, on va le dépasser dans la ligne droite dans le fond, fait qu'on attend. On n'a pas à se presser, on attend. On va rester comme il voulait derrière lui. On va juste le coller au cul.
prend le dépassement. Le dépassement, on reste derrière lui. On prend son aspiration. Et tu vas jouer dans la ligne droite. Colo basket. Et là, c'est parti. Il y a plus d'accélération que moi pour sa première vitesse, mais après ça, je pense que je prends le dessus. Ouais, je prends le dessus, je joue plus vite que lui. Je pensais que c'était le premier. On est au dernier tour pour presque 5 minutes de course. Donc on a... Je coupe un petit peu parce que je regarde mes stats à droite. On a un tour actuel de 40 secondes. Je sais pas c'est quoi mon meilleur temps. Donc mon meilleur c'est 1 minute 49. 1 minute 49. Bien évidemment je suis le premier, ça vous étonne pas. C'est ça, tour actuel 3. Il y en a-tu un qui est pas encore au 3? Non, ils sont tous au troisième tour, je pense. C'est pas possible qu'il y en ait pas un qui soit. Qu'il y en ait qui sont encore au 3. Donc, les gars, je pense qu'à chaque fois qu'on va faire un live sur Forza, ça va être un championnat par soir. Mais je vais essayer de pas les commencer sans vous. Enfin, comme ça, vous pouvez voir ma progression. Là, je sais que c'est pas rapide les courses parce que c'est les débuts, c'est les premières. Après ça, ça va sortir les supercars, les F1, les Formule E. Donc ça va aller bien évidemment beaucoup beaucoup plus vite. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires sur Twitch ou sur YouTube si ça vous plaît que je fasse des gameplays de Forza et de Doug bien évidemment. Parce que moi, je fais ce qui me plaît. Donc, c'est pas que je m'en fous de votre avis, c'est juste que je fais ce que ça me tente de faire. Ça me tente pas de faire du Forza un soir. Je fais d'autres choses. J'ai plein de jeux. J'ai plein de jeux. Donc voilà. Course Tadami Maru. On va juste regarder. Donc voilà les gars. Donc un championnat de gagner. Avez-vous cette création? Oui. C'est... Comment ça, je peux gagner? J'ai pas gagné, les gars. Chargement de la piste. Ok, les drivers. Excusez-moi. Les drivers, ils me rapportent 2000 de plus à chaque course. J'ai pas fini. On va racheter des mods parce que. Désolé, alors on va rajouter des mods, on va faire
avancer sur la grille et ça, finir premier. Et on va faire, on va aller dans les ça. On va faire jour de paix. Voilà, donc Mazda Raceway dans le Gunaseka Fana du circuit. Donc je pense que cela, logiquement, je dis bien logiquement, c'est la dernière. Ouais, course 4 sur 4. C'est bien cela. Donc on voit bien le numéro 43 d'Ainoko à gauche. Donc je la connais cette course là, je l'ai faite dans Forza Motorsport 6, je la connais bien, avec une genre de curve bizarre. Oh my god, Chacha qui m'aide en me remettant sur la piste. Donc après cette course là les gars, on va aller sur Dirt, on va aller continuer à faire du bon rallye. Je pense qu'on va faire comme la dernière session qu'on avait faite, on va faire 2-3 courses de... Le premier mois, on va finir le championnat qu'on avait commencé. Et après ça, on va aller faire des défis. Faire un dépassement forcé. Chacha, on se calme. Voilà, on arrive au tournant bizarre. Il est juste ici le tournant bizarre. Ah, il est pareil comme dans Forza 6. Pareil, pareil, pareil. Une fois que je l'ai pris tellement bien que je pense que j'ai sauté par-dessus tout le monde. J'ai pris genre à 200, j'ai sauté par-dessus tout le monde. Parce que moi, quand je suis dernier, j'ai, on va dire, un petit stress. Donc j'ai accéléré, puis j'ai pas réfléchi. Et là, il nous reste deux tours. Deux tours. On va essayer de rattraper Pat. Et je sais pas c'est qui les deux autres. Donc lui c'est pas de 23J. Ouais. Un coéquipier sur roi jaune. Je pense que c'est vraiment sur les lignes droites que je peux les battre. Juste voir la personne qu'il faut pas qui me dépasse. Moi j'ai 600 points, il faut que je dépasse Tony Skater, sinon j'ai peut-être une chance de perdre, parce que là moi je dois rapporter 355 points puis 400. Bon. Arrêtez d'être gentil et on va devenir un petit peu plus méchant. Faire des virages plus grands. Nous sommes par un petit peu moins de vitesse. Là, je vais vous montrer ce que je vous disais. On est full vite. On va rembobiner. C'est pas exactement ce que j'ai fait.
pense qu'on va ralentir un petit peu. Puis faites ça comme ça. Voilà. Je pense pas que c'était légal, mais il y a personne qui m'a vu. Même pas vous les viewers, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. J'ai rien fait d'illégal. Moi, dans les règlements, on m'a jamais dit que faire un vol plané puis arriver dans. Puis de foncer dans le derrière d'une voiture, c'était pas légal. Désolé, Tony. Un petit peu coupé, juste un petit peu, pas beaucoup. Il y a des fois dans. Moi, en tout cas, dans ma vie, moi j'aime beaucoup le go-kart. Puis je sais qu'il y avait un joueur de hockey, je pense. Je sais plus trop, qui allait ouvrir un site de go-kart proche de chez moi. Donc, je sais pas que je vous fasse un. Quand je vais y aller, dans. Quand même, on va dire un petit peu longtemps. Je vais peut-être vous faire un débrief sur comment c'était. Parce que là, je pense qu'à cause du confinement, on va attendre encore un petit peu longtemps avant de pouvoir aller en faire. Parce que moi, vraiment, le go-kart, continuez de piloter comme ça, j'aime la coupe sera vôtre en arrière. Beaucoup. J'aime beaucoup ce go-kart là. J'adore. Ouais, normalement, ça c'est la dernière course. Dernière de dernière. Donc dans deux temps, on va finir notre championnat, je pense pas qu'on on va juste le finir. C'est incursion sur le podium, impressionnant. Je pense qu'on va juste finir le championnat qu'on avait fait. Ça va être tout pour ce soir, mais... Parce que... ça fait quand même 37 minutes que je live ce soir. Et... je suis un petit peu fatigué, un petit peu crevé. J'ai plus de mode, mais c'est pas grave. Donc on va juste regarder c'est quoi le prochain championnat. Donc regardez tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à faire. Donc ça c'est la première catégorie. Après ça, on arrive dans un supercar à partir de, je pense, ici. Ici ça commence à être supercar. Faut que je gagne ça. Ça, c'est genre les qualifications. Ça, c'est quoi pour cette manche de bowling automobile? Vous allez prendre le volant d'une Cadillac limousine, de quoi ajouter une petite touche de raffiné à l'épreuve. Attends, course poursuite à grande vitesse. Une course. Une course. Quatre courses. Quatre. En vrai, j'ai envie de faire ça. Prenez le volant d'une Audi moderne et jouez avant les anciennes générations de Audi. Quelles sont les meilleures? Les voitures d'aujourd'hui ou celles d'antan? À vous de le dire.
Au volant d'une bombe dernier cri, vous devrez venir à bout de ces aînés plus anciennes, mais toujours aussi véloces. Le problème, c'est qu'elles partiront devant, et il faudra les dépasser avant la fin de la course. Prenez ça comme une petite rivalité familiale motorisée. Intéressant, donc faut que j'essaie de... Definitely number one. Cornering is number two. Braking is number three. Top speed, although it's cool, it's not so important, so I've got that as number four. But for me, it's all about acceleration and cornering. Exact, exact. Donc on est sur Brands Hatch, yeah, circuit Grand Prix. C'est ma, pas dire ma piste préférée, mais c'est une de mes pistes préférées. Parce qu'il y a beaucoup de lignes droites. C'est parti, on va essayer de... Il faut que je dépasse les premières, ben, les plus anciennes Audi. Attends, ce que j'ai à vous dire. On va dire... En effet... Ah, ok, c'est une course comme ça. J'ai un compte à rebours pour que je parle de dire. Merci mon pote. Ah, pas trop le temps de prendre trop d'avance que je la rattrape déjà. C'est un petit peu simple. Finalement on a fait une course de plus, je pense pas que ça vous dérange. De toute façon on l'a gagné, donc c'est ça l'important. 1 minute 36. Donc c'est beaucoup plus rapide que les courses qu'on vient de faire. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Quand même. Le championnat découverte et avait montré qu'il faudra désormais compter avec vous. Pour couronner le tout, vous pouvez désormais tenter votre chance dans l'étape suivante de la compétition, le championnat Ascension. Cool. Donc je viens de remporter le premier championnat. Non. Alors je pense que je vais faire, c'est qu'avant de faire le prochain championnat, je vais terminer toutes les épreuves du premier, puis après ça je vais aller dans le deuxième. Je sais pas si vous comprenez. En gros, toutes les courses qui sont dans le... J'en ai remporté là. J'ai... Prochaine étape, le championnat Ascension. Comme vous pouvez le voir, le niveau d'exigence ne cesse de croître. Prenez ça comme un avant-goût de ce qui vous attend à partir de maintenant. On y va? Donc en gros, pour passer, ça il me fallait, en gros là-bas en haut, c'est
le nombre de points qu'à chaque course il te faut. Donc celle-là, ça va me rapporter 1000. Chaque course, chaque gros championnat du tournoi, ça me rapporte 1000. Puis il me faut un certain nombre pour pouvoir passer au prochain. Donc on va juste regarder Donc ça c'est avec des sports compacts. Ça je sais pas c'est quoi. Vintage Sport GT. Ça c'est des Open Wheel Legend. Endurance pas franco. C'est pas Francorchamps. Je pense que ça c'est de l'endurance. Puis ça c'est défi de dépassement Porsche 918 Spider. Bon, on a des Formule E ici. Donc on va avoir notre première course de Formule E. Donc les gars, je vais mettre le live en pause 2-3 petites secondes. Et je vais 2-3. Le 2-4, je veux dire. Ce sera pas bien long. Donc vous, je sais pas c'est quoi ça, j'étais parti aux toilettes. Ah c'est genre une petite bonne annonce. Parfait ça. Donc on est dans épreuve, carrière, plus normalement. Ouais c'est ça. Il nous reste Fitzroy en Australie, on a trois spéciales à faire. On a un dénivelé de 45 mètres sur une surface de terre gros gravier sur une longueur de 5,69 km. À 5 heures de l'après-midi. Donc on a quelques croches à 90 degrés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont un au début. Let's go, c'est parti avec ma belle petite, je sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est une Opel, une Ford Escort. J'étais très loin, en plus c'est moi qui commence, Ford Escort. C'est ok, pas de pépin en vue. Parfait. Donc lumière. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Je pense qu'ils sont sponsorisés par Razer. Quatre-vingts.
Le 90 degrés et le 180, je dis qu'il n'est pas très très fou. 60, droite 6 et gauche 5 sur crête. 80 en descente, en portail, 80. Lumière. Gauche 5 descend. Oh, oh, oh. Gauche 3 long se resserre sur crête. Je me reprenne, on n'est plus en force. Gauche 4. Et attention, droite 2 sur crête. Sur droite 2, sans couper, 80 en descente. Gauche 5, 60. Gauche 5, sur droite 3 sur crête, sans couper. Et gauche 4, sur droite 5, en portail, 60. Droite 5, 80 en descente. Gauche 2, sur gauche 2 sur crête, sans couper. Et droite 4, en portail. Je vais pas parler, je vais essayer de se concentrer. Serre à gauche sur crête et crête possible saut. 60, 80 en descente. Crête et serre à droite sur crête. 110 en descente. Crête en descente. Droite 3 sur crête. En portail, 80 en descente. Crête. Droite 6 et gauche 5 sur crête. 80 en descente. En portail, 80. 80 en descente. En portail, gauche 3 sur crête. Descente crête, gauche 4, portail. Et attention, droite 2 sur crête. Sur droite 2, sans couper, 80 en descente. Gauche 5, 200, descente. Droite 5, crête épingle, gauche bosse, 60. Droite 3, long, celui-là il était clean. Descente, clean, de clean. Droite 6 et gauche 5 sur crête. 80 en descente, 80. Attention, droite 4 sur crête et gauche 1. Serre à droite sur crête. Droite 3, 60, sans couper. Droite 2, sans couper. Gauche 2, 60, sans couper. Gauche 3, sans couper. Gauche 6, serre à droite sur crête, sans couper. Droite 2, crête 80. Serre à gauche sur crête, 80. Crête droite 4, sans couper. Sur gauche 2, attention, se resserre, crête. Droite 3, reste intérieur, sans couper. Sur gauche 5, droite 6. Gauche 4, se resserre, sans couper. Et droite 3. Et gauche 4, sans couper, 80, serre à gauche 2, sur 3, crête, 4. Attention, droite 1, et droite 4 sur crête, gauche 3, et crête oui, droite 6, 3, 5. Sans couper, 2, sur gauche 3, 2, 4. Droite 3, sans couper, sur gauche 2, sur 3, et épingle ouverte droite, 80, serre à gauche sur crête. J'en ai aussi de clean, de clean. Sur arrivée. Ok, conduis-la au juge. Parfait, super. C'était clean, résultat, de clean. Bravo. Donc moi, cette spéciale-là était vraiment bien à cause des 90 ou des 180, je m'en souviens plus. Moi, je l'ai bien aimé. Donc on va passer tout de suite à la prochaine avec... la prochaine. Là, on a une grande, grande, grande ligne droite. Avec un dénivelé de 90. Une longueur de 5,92 km sur... la surface Terre gravée. Environ les mêmes spectres. Donc ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va faire cette spéciale-là ainsi que l'autre. Puis la live va être terminée pour ce soir. Je crois que le ciel se couvre. Gare aux intempéries sur la piste. Ok, il y a des intempéries. Donc, Monsieur Morton, 3,55. On va lui exploser 3, ça. 2, 1,
Droite 5, 80 en descente. Gauche 5, long se resserre. Sans couper sur droite 3. Droite 4, sans couper. Et gauche 3. Et droite 4. Et là, vous voyez que je serais bon pour faire. Reste au milieu sur crête. Du rallye en vrai, dans la vraie vie, en réel. Serre à droite sur crête. In the real life. Et crête droite 3, sans couper, sur gauche 2. Oh, par contre, sur. Prudence, droite 2. Sur gauche 3, crête, sans couper. Et droite 4. Reste au milieu sur crête. Sans en descente. Serre à droite sur crête. Serre à gauche sur crête, 100 en descente. Reste au milieu sur crête, 80 en descente. Attention, crête droite 5 et gauche 6, 80. Sortie sans dévers, serre à gauche sur crête et crête possible saut. 60, descente. Bosse, bon, 100 en descente et crête possible saut. 200, gauche 6 et virage droite 2 long. 60. Je trouve que vous avez vu mon vol plané. Mon vol plané était magnifique. Crête. Serre à droite sur crête 80. Attention, crête gauche 2, 60 en descente. Serre à gauche sur crête. Droite 6, sans couper. Gauche 2, 60. Sans couper. Gauche 3, sans couper. Serre à gauche sur crête. Pocheton. En descente. Reste au milieu sur crête, 80. Serre à gauche sur crête. 100 en descente. Je t'avais dit qu'on allait exploser sur crête, 80. Serre à droite sur crête, 80. Attention, crête gauche 2, 60 en descente. Serre à gauche sur crête. Droite 6, sans couper, 80 en descente. Attention, crête droite 5 et gauche 6, 80, descente. Bosse, bon. 100 en descente, et crête, possible saut, 130, attention, frein, bosse, épingle droite. Crête gauche 5 en descente, serre à droite sur crête. Okay. 80 en descente, en portail, gauche 3 sur crête. Descente crête, 80 en descente. Crête, il serre à droite sur crête. 110 en descente. Bien, c'est parti. Droite 5. Sur gauche 6, long se resserre sur crête. Sans couper. Droite 5. 60. Gauche 5. Sur droite 4. Et gauche 3 sur crête. Sans couper. Sur droite 5. 110 en dévers. Serre à gauche sur crête et crête possible saut. 60. 110 en dévers. Sur arrivée. Ralenti jusqu'au juge. Un formidable donc on résultat. Il a explosé son record. On lui a explosé son record. Juste voir résultat de la ficelle. Il avait fait. Il fait 10 secondes de moins. Quand même. Il y a le dernier, il a abandonné. Non. Donc le dernier, le français, il a fait 5 minutes. C'est un autre Canadien. Je suis le seul Canadien. Donc je suis le seul Canadien. Sinon il y a des Français. Moi des fois j'aime ça regarder les replays. Donc on part directement sur la dernière. La plus courte avec 4,40 km. 4 km 40. Donc c'est la dernière course de la soirée, les gars.
1, 2, 3. Dénivelé de 20. On a une grande ligne, une petite ligne droite. On a plusieurs virages à 90. Égal. Pareil sur la surface. Gros gravier. Pareil. Donc j'espère que vous êtes prêts, les gars. J'espère que vous êtes chauds. Dernière course de la soirée. Toujours premier à passer, c'est... Nos pace notes indiquent quelques sections à surveiller, alors sois attentif. Je pense qu'ils sont sponsorisés par Razer, mais je suis pas sûr. Razer. 3, 2, 1, partez. Gauche 5, longue se resserre, sans couper, sur droite 3. Serre à gauche sur crête, sans en descendre. Reste au milieu sur crête, 80, gauche 4, crête, 60 en descente, droite 2, 80, sans couper, crête gauche 3. Accélère. Gauche 3. Oh, j'ai pas du temps. Et crête droite 3, sans couper, sur gauche 2. Droite 4, sans couper, et gauche 3. Et droite 4, souffre, sans couper, 60. Gauche 6, serre à droite sur crête, sans couper. Droite 2, crête 80. Serre à gauche sur crête, 80. 80 en descente. Corki. Gauche 3 sur crête. Descente crête, en portail, gauche 5, crête et crête, sans couper, 80 en descente. Gauche 5, sans couper, 80. Attention, frein, bosse, épingle de droite. C'est pas très clair. Crête gauche 5 en descente. Serre à droite sur crête. En portail, droite 5, 80 en descente, gauche 2, sur GG pour ce 90, c'est de même. Sans couper, et droite 4, droite 5, sur gauche 6, long se resserre sur tête, sans couper, droite 5, 60, descente, bosse, 100 en descente, et crête possible tour, 80, crête en descente, droite 3 sur crête, 80 en descente. Moi je suis comme crête. Ça, dès que je parle, je stresse, j'ai l'impression. Droite 6 et gauche 5 sur crête, 80 en descente, 200. Attention, fin et pas couverte gauche. Et droite 2, long se resserre, sans couper. Sur gauche 3, sans couper, serre à gauche sur crête, 100 en descente. Reste au milieu sur crête, 80. Droite 3, 60, sans couper, droite 2, sans couper. Reste au milieu sur crête. 100 en descente. Ah, j'ai fait une deuxième. Serre à droite sur crête. Dommage. Gauche 2, 60. Sans couper. Gauche 3. Sans couper. Reste au milieu sur crête. Je suis 20 secondes en avance sur la 3. Je pense que je vais faire. Sur arrivée. Ok. Amène-la au milieu. Dommage, les gars. Dommage, les gars. 13 secondes. J'ai quand même rattrapé une bon seconde. Travail. On termine parmi les 5 premiers au classement des voitures. 5 premiers. Moi, je vais être le premier, sinon c'est rien. Donc, on va voir les gars, je suis combien. Premier, let's go. Parce que je pense que ça. Vu que j'en ai gagné 2, perdu. Encore perdu. Perdu 1. Je pense que. Vu que j'en ai gagné 2 premiers, je pense que j'étais en avantage. C'est parfait. Donc on est admirable. Génial.
commence à passer aux choses sérieuses. Récompense véhicule, Subaru Zodemura. Bonne chance. C'est mon char de rêve, les gars, juste pour que vous sachiez, la Subaru pour 2001. C'est mon char de rêve. Juste pour que vous le sachiez. Championnat terminé. Belle la musique. Donc les gars, on va aller voir. On va dans carrière. C'est pas du tout un carrière, c'est dans partie libre. On va aller dans carrière, on va aller voir. C'est pas grave, on fait ça. Véhicule. Juste ma... Si par exemple on fait... ça... acheter une voiture... garage... Subaru Impreza 2000. Moi j'ai trois chars là les gars. La Ford Fiesta OMSE Supercar Glick. La Mitsubishi Lancer, on la connaît. Puis la Subaru 4 motrices. Ils ont 4 motrices, les 3. 4. Ben les 3. Ça vous dit qu'on allait la tester? On va aller la tester. Complexité, on va faire ça. Pardon. La plus courte, avec pas de complexité, avec combien? En vrai, les gars, je pense pas. On va mettre un petit peu. On va tester ça. Voilà, on va tester ça juste pour la tester, les gars. On va juste la tester. Ça, les gars, on va arrêter le live. Donc, les gars, je vais juste vous remercier. Je vais le faire plus tôt. Je veux juste vous remercier d'être là chaque soir et de me supporter. Je m'en fous une prison de mes jusqu'à de me sentir avec quelqu'un. On devrait envisager des améliorations. Une victoire devrait rapporter pas mal. Faut qu'on conduit à gauche. Ok, parfait. 5, 4. Oh, j'adore son bruit. 1, partez. Droite 4 en descente, poteau intérieur, reste au milieu sur crête, gauche 5, 200, droite 4 long, reste intérieur, j'adore. 200. J'adore. Droite 3 long, reste intérieur, 200. Ce j'adore, c'est pas mal. Droite 3. Et gauche 6, 80, gauche 4, et droite 6, et gauche 5, 150, droite 6 sur crête, 80, on dirait que le moteur a dératé. Gauche 3 long, reste intérieur, 250, 200 sur bosse, 200. Droite 4 long, reste intérieur, sans couper, 60. Gauche 5, 60. Sur arrivée,
Bien, ralenti pour le juge. Les gars, c'était magique. Donc, voilà, les gars, spécial terminé. Le classement et le chrono de la spéciale ont été confirmés. On va juste regarder le replay. Ça vous le dit? Droite 3, long, reste intérieur, deux temps. Coup. C'est là que j'ai perdu toute mon avance. Droite 3. Et gauche 6, 80. Donc, ça et la Mitsubishi Lancer. Malgré que la Mitsubishi en pilote à droite, ça me mélange. Donc là, on prend beaucoup de vitesse. Là, la ligne droite. C'est là que ça a chier. J'ai trop appuyé sur le frein. J'ai tout perdu mon avance. Donc, déjà, c'est pas grave. Non, sérieux, c'est pas grave. Donc les gars, attendez. On va attendre, parce que je pense pas que vous m'entendez bien. On va attendre que je... Musique. Donc les gars, je voulais vous remercier d'avoir été présent sur ce live et sur YouTube d'avoir... d'avoir regardé cette vidéo, donc je vous remercie grandement d'être là à tous les soirs et de m'inciter à faire de... pas de m'inciter, mais de... De m'inspirer en confiance à faire mes lives. Donc je vous remercie grandement. On se revoit demain soir. On va faire un live Apex avec Chacha. Donc pareil, live Apex, ça va être à 8h ce soir, demain soir finalement. Demain ça va être à 8h pour changer. Donc on va faire un petit 1h, 1h30, 2h de Apex. Donc les gars, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur ce live. C'était Blacon. Ciao.